Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benhamou. Notre ingénieur du son, Monsieur David Elbaz. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur Bande FM. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un comédien au talent extraordinaire, Jérôme Kircher, à l'occasion du spectacle Le Monde d'hier de Stéphane Zweig, qu'il interprète au Théâtre des Mathurins à Paris. Jérôme Kircher, bonjour. Bonjour Jacques. Jérôme Kircher, vous êtes un comédien de théâtre, enfin c'est ce que l'on dit, et puis moi en tout cas je l'ai constaté, réputé. Après être sorti du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, où vous avez été l'élève des plus grands comme Michel Bouquet, Gérard de Sartre, Bernard Dore, c'est pas peu dire. Vous avez commencé votre carrière en 86 au cinéma dans le court-métrage Le Train de l'Aurore de Laurent Jaoui. Oui. Vous avez depuis tourné dans plusieurs séries pour la télévision et joué les plus grands textes et rôles sous la direction de Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent, André Angèle, Denis Podalydès, entre autres, et vous avez été nommé 3 fois au Molière. Ouais, mais j'ai raté les 3 fois. Mais oui, mais c'est pas grave, vous avez quand même été nommé, vous avez été remarqué quand même. À l'heure actuelle, vous interprétez aux têtes des Mathurins Le Monde d'hier. C'est un texte dans lequel Stéphane Zweig retrace les 50 années au cours desquelles l'Europe a basculé dans la plus effroyable tragédie, celle du nazisme. Stéphane Zweig décrit son amour pour Vienne, capitale de la culture et du cosmopolitisme, qui a basculé dans l'horreur du nazisme, et Laurent Sexic a fait de ce texte une très belle adaptation que vous interprétez aujourd'hui avec une incroyable sensibilité. Je pèse mes mots, car le spectateur a le sentiment que vous n'êtes pas l'interprète de Stéphane Zweig, mais que vous êtes Stéphane Zweig lui-même. Vous avez du reste mis en scène ce spectacle, vous-même, avec Patrice Pinault. Alors Jérôme Kircher, qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser à Stéphane Zweig, à cette œuvre Le Monde d'hier? Alors en fait, ce livre, moi je l'avais lu quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, j'avais été vraiment choqué par ce livre. Enfin, c'était pour moi presque trop fort à mon âge de lire ça. Mmh. Et il y a peu de temps, Stéphane Engelbert, le directeur du Théâtre des Mathurins, c'est dit qu'il fallait il fallait donner cette parole maintenant, en ce moment, oui, et rapidement. Il m'a dit ça fin décembre. Ouais, et il avait bien raison. Ouais, bah ouais. On va en reparler tout à l'heure justement. Alors qui était Stéphane Zweig? Parce que vous êtes intéressé au personnage, hein, son enfance. Alors Stéphane Zweig, c'est un Viennois, oui, un juif viennois de la grande époque où tous les juifs viennois venaient de Galicie, de Bohême, de Bessarabie, se réunissaient là et trouvaient là un refuge et apportaient leur richesse culturelle à une espèce de vieille tradition autrichienne un peu. Et donc il en parle comme d'un âge d'or, c'est-à-dire il y avait des écrivains, des musiciens, on peut en citer 10, 20, Schoenberg, Schnitzler, Freud, Mahler, enfin tous, ils étaient tous là, quoi. Il dit à un moment, les yeux du monde étaient tournés vers le Prater grâce à ces personnalités artistiques fortes, immenses, oui, qui ne s'attendaient pas du tout à ce qui allait se passer après. Évidemment. Zweig était quand même un autodidacte, on dit. On dit qu'il a été à l'université hors les murs, quoi. C'était un... Ouais, il a fréquenté beaucoup de... Il était très fervent admirateur. Vous savez, il y a des gens qui sont là, et il y en a d'autres qui admirent avant de faire les choses. Lui, il fait partie des gens qui admirent, donc d'abord, il fréquentait vraiment les Hofmannsthal, les Rilke, tout ça, et ensuite il a écrit tout seul, ouais. Il a écrit tout seul. Alors, Stéphane Zweig était juif et citoyen du monde, oui, mais il n'était pas du tout pratiquant. Non, il dit que à Vienne, le culte, oui, il y avait une forme de culte, oui, mais c'était voué à la culture, c'était, oui, ça. C'était, ouais, sa façon, lui, de pratiquer. Ouais, c'est ça. Mais il avait été élevé dans le quand même dans le culte, mais lui ne pratiquait pas du tout. Il ne pratiquait pas du tout. Non. Alors, Stéphane, je ne crois pas. Je ne suis pas certain. Ah, mais en tout cas, les écrits que j'ai, dont j'ai connaissance, précisent qu'il ne pratiquait pas. Il était aussi un ami de Freud, avec lequel il entretenait une correspondance très très riche, et qui était peut-être une manière d'être analysé. à votre avis? Oui, ils se sont rencontrés même beaucoup à Londres aussi, quand ils étaient tous les deux en exil. Et c'est très touchant parce qu'il dit que Freud, lui, n'était pas du tout étonné par l'éruption de la bestialité, du nazisme, au contraire. Sûr. Et c'est là où il dit que pour lui, la barbarie ne peut pas être extirpée de l'âme humaine, en fait, et que la culture ne suffit pas à combler les instincts, enfin, à se battre contre les instincts. Et la barbarie, c'est assez passionnant, ce passage, parce que c'est... Complètement, absolument. Ouais. Mais Stéphane Zweig était-il psychologiquement instable?
Écoutez, c'est ce qu'on dit, puisqu'il s'est suicidé donc en 42, avec son épouse. Il y a sûrement, photos, enfin, il est né en 1881 quand même. Oui, il est né en 80. Plus de 60 ans. Oui, il avait 61. Oui, on dit qu'il était un peu dépressif, en tout cas sur la fin de sa vie, ouais. Il était très dépressif. Il s'est réfugié au Brésil. Il s'est réfugié parce qu'il n'avait plus de papier, en fait, parce qu'il s'est retrouvé dans la situation absurde d'être autrichien. Il était à Londres, tranquillement, et quand la guerre de 39 a éclaté, on a considéré que les juifs autrichiens avaient le même statut que les Allemands. Donc ils n'avaient plus de papier, donc ils devaient quitter... Ils avaient dû quitter l'Autriche parce qu'ils étaient anti-allemands, et là ils devaient quitter Londres. Oui. Donc il est parti à New York d'abord, où il a vécu un an, il a retrouvé son ex-femme un peu, il avait sa nouvelle femme, et puis il a dû partir au Brésil, et c'est là où il a écrit ce livre de 500 pages sans aucune note, sans rien, que de mémoire. Rien du tout, que de mémoire. Il s'est souvenu, il a retracé un peu sa vie, quoi. Ouais, il sort. Il dit qu'il retrace le contexte. Ouais, il retrace l'histoire d'une génération, en fait, à travers lui-même, mais c'est l'histoire d'une génération qui veut raconter. Ouais. Alors, Jérôme Kirchner, revenons aux têtes des Mathurins. Alors, vous interprétez cette pièce qui n'en est pas une en réalité, c'est une nouvelle, comme Zweig aimait les écrire. Et pendant plus d'une heure, seul en scène, vous incarnez ce personnage hors du commun. Comment est-ce qu'on y arrive, je vous ai vu, j'en suis sorti, très sincèrement je dis pour nos auditeurs, et vraiment je vous recommande d'aller, parce que cette pièce va être jouée jusqu'au... Là, on va aller jusqu'au 2 juillet, on en prolonge jusqu'au 2 juillet, puis on le reprendra sans doute à partir du 16 septembre. Mais oui, pour l'instant, on va jusqu'au 2 juillet. Si j'ai la force, je reprendrai le 16 septembre. Mais vous aurez la force, c'est évident, parce que vous jouez ça de façon tellement, tellement extraordinaire. Mais alors, comment fait-on pour mémoriser un texte aussi fort que celui-là? Il y a toujours deux choses. Il y a d'un côté la mémoire et d'un côté la restitution de la pensée, en fait. Moi, ça m'intéresse plus la restitution de la pensée que la mémoire, parce que la mémoire, c'est pas très difficile. On peut apprendre ABCDEFG, on peut apprendre. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est facile de le dire. Ça. Ouais. Non. Et moi, quand je travaille surtout ce texte-là, parce qu'il n'était pas question pour moi d'interpréter Stéphane Zweig. Justement, je voulais pas interpréter Stéphane. Je voulais pas avoir la moustache, le costume d'époque. Non, mais vous l'êtes sur l'écran. Mais c'est parce que c'est la parole. En fait, c'est décortiquer sa pensée. C'est-à-dire, moi, je prends des phrases, je les tords, je les mets à plat. Comme on démonte un piano. Oui. Je dis ça souvent, mais c'est vrai. Pas ça veut dire, ouais, pas facile. Ça veut dire, je vois le verbe, le sujet, le truc, et je le mets dans le bon sens, puis je le remets dans le mauvais sens. Et à la fin, à force de mâcher, de rabâcher, de bêtement, quoi, j'ai sa pensée. Et après, une pensée en découle une autre, qui en découle une autre, qui en découle... J'essaie pas de faire le malin, en fait. J'essaie pas du tout de jouer. Mmh. J'essaie juste d'avoir la pensée de la phrase. Et si j'ai la pensée de la phrase, je suis lui, forcément. Alors quand vous répétez, quand vous travaillez, est-ce que vous faites ça devant une glace? Non, je supporte pas de me regarder. Non, je supporte pas de me voir. Si je faisais devant un miroir, j'arrêterais. Faut pas dire ça parce que nos auditeurs, ceux qui vont regarder en podcast ou ceux qui vous regardent à l'instant sur radio-rcj.info vont voir que il y a aucune raison pour vous regarder pas dans une glace. Hein. Non, mais par contre, je peux le travailler sous la douche ou en faisant la cuisine ou en m'occupant de mon potager ou de ça. J'adore que la pensée soit un moment plus en adéquation avec mes gestes, c'est-à-dire en faisant la cuisine, j'adore redire mon texte, par exemple. Je le dis sans y penser. Naturellement, pour qu'à la fin, il m'appartienne. En fait, maintenant, le texte, il m'appartient complètement. On a aussi changé des petits trucs, l'adaptation de Laurent, qui est magnifique. Hein. Oui. Vraiment, il a fait un travail prodigieux parce qu'il a trouvé la quintessence de l'œuvre. Mmh. Et puis moi, avec son accord, ensemble, on a changé des bouts de phrases, des trucs pour que ça... Ça avance, en fait. Et oui, parce que la mise en scène est de vous, et également... De Patrick Pinault. Patrick Pinault. Qui est un de mes grands amis, qui est un grand acteur, Patrick Pinault, qui a fait toutes les grandes pièces à l'Odéon il y a une dizaine d'années, oui. Avec Lavaudan, qui est metteur en scène aussi, qui est un grand metteur en scène. Et c'est mon ami depuis 30 ans, donc on a fait ça comme deux petits artisans. Formidable. Alors, ouais. Quand on est deux comme ça à faire une mise en scène, comment est-ce que ça se passe? Chacun donne ses idées ou on dit tiens, par exemple, à cet endroit de la pièce ou du spectacle, tu vas agir comme ça ou tu vas te déplacer comme ça? Comment est-ce que ça se passe? Parce que nos auditeurs ne savent pas. Ouais, ils viennent au théâtre, ils voient Stéphane Zweig sur la scène du Mathurin et puis ils se disent mais comment fait-il? En fait, moi j'avais un peu mes idées de ce que j'avais envie de faire et j'avais besoin de Patrick pour me...
pour me créer un univers, c'est que Patrick qui a vraiment créé l'univers, par exemple, qui est sur scène, le décor, ouais, c'est la lumière de Christian Pinault. On est très, je suis tout seul, mais on est très entouré. Il y a un peu de musique aussi, je sais pas si vous l'avez entendu. Oui, justement. Très discrètement, comme justement. Ça. Ouais. Oui, on se alors, demande. On voulait éviter de mettre du malheur, de mettre justement des musiques d'époque. On voulait que ce soit intemporel. En fait, c'est un personnage intemporel qui sort d'un, comme un fantôme qu'on sort d'une trappe. Et qui vient raconter une histoire, puis à la fin, on referme la trappe, et puis il n'existe plus, en fait. Ah, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, Jérôme Kircher, vous sortez du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, après avoir reçu l'enseignement de maître prestigieux, comme j'ai dit tout à l'heure. Le théâtre, c'était une vocation pour vous, ou bien c'est venu à partir de quand vous avez quel âge, quand vous avez dit, bon, je veux devenir comédien. Voilà. C'est... En fait, j'ai commencé, moi, j'avais fait un peu de théâtre quand j'étais au lycée, mais comme ça, je voulais être médecin. Wow. Ah, je voulais être médecin, j'ai fait médecine un peu, une année et demie, et puis en fait je me suis rendu compte que je supportais pas la vue du le sang. Ouais, ça me rendait vraiment pas bien. Il y en a d'autres. Maintenant ça va, c'est passé, mais à cette époque-là vraiment c'était terrible, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais quoi. Alors j'ai rencontré des gens qui faisaient un peu de théâtre, j'aimais bien ça quand même. Et j'ai tenté le concours du conservatoire, mais vraiment comme un amateur, en dilettante. Voilà. Je crois que je l'ai pas bien passé. D'ailleurs, ils m'ont tous dit que c'était pas terrible, mais bon, ils m'ont pris quand même. Donc, c'est Bernard Dort, Bernard Dort, Michel Bouquet, des gens comme ça qui ont été très importants pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, je me donnais des contrats de 5 ans. Je me disais, ben voilà, pendant 5 ans, je fais ça, puis si ça marche pas, j'arrête. Et finalement, j'ai toujours travaillé. Je ferai autre chose. Ouais. Est-ce qu'il y avait des comédiens dans votre famille? Non, personne. Non, mon père était ingénieur, ma mère est prof de piano pour enfants autistes, handicapés. Ah oui. Ouais. Ah oui, et musicienne. Et musicienne, ouais. Ouais. Mais alors, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je suis père de famille. Interdit. Hein. Si mes enfants disent qu'ils veulent être acteurs, j'interdis. Justement, quand vous avez dit à vos parents, je veux être comédien, je veux monter sur les plans, je veux faire du cinéma. Comment est-ce qu'ils ont réagi? J'ai eu les deux versions. J'ai eu ma mère qui m'a dit, mon fils, mais tu fais ce que tu veux. Oh, tu seras merveilleux de toute façon. Oui. Ah, elle vient toujours 3 fois voir les spectacles. Elle dit toujours que c'est merveilleux, même quand c'est pas bien. Oh, non, mais c'est... Et mon père qui a dit, non. Il faut un métier. Et il a été rassuré le jour où je suis rentré au conservatoire. Quand vous avez été pris. Voilà. Alors c'est là que les difficultés commencent finalement, parce que c'est là que c'est déjà le plus dur. Mais pour lui, c'était... Ça voulait dire que, et à partir de là, il a été... C'était des études, en fait. Ouais, puis c'était sérieux, quoi. C'était sérieux, c'était des études. Il y avait la Comédie Française, peut-être, derrière. C'est ça. Et dans la Comédie Française, donc il y avait quand même une sécurité. Mais ils ont toujours cru, ils m'ont jamais mis des bâtons dans les roues, ils m'ont toujours encouragé, ils ont été assez exemplaires, on va dire. C'est formidable. Parce qu'il y a tellement de parents qui ont peur. Ah ouais, ça fait peur. Hein. Ben oui, ça fait peur. Mais j'en connais d'autres. Ouais. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience au théâtre? Première fois que vous êtes monté sur les planches. En cours, vous voulez dire, ou en scène? En scène. Alors, pour le public. Voilà. Bah, moi, je me rappelle de mon premier spectacle professionnel où j'ai gagné de l'argent. Oui, déjà. C'est ça, voilà. J'ai eu la chance de rencontrer Patrice Chéreau, à la fin du conservatoire, et on a fait le Hamlet de Chéreau avec Gérard de Sarthe, qui faisait le Hamlet. Oui. Et donc, on a été dans le monde entier, et on a joué à Moscou, toute la Russie, en Amérique, donc... Vraiment, alors là, je pouvais pas tomber mieux, quoi. J'imagine, là, c'était comme une année supplémentaire de cours quand je voyais ces grands. Il y avait Nada Strankar, il y avait Vladimir Yordanov, il y avait des acteurs magnifiques. Et puis, voir Chéreau travailler pendant une année, ça fait, c'est comme 10 ans d'école, quoi, en fait. Ouais, ça fait la même chose. Ce sont des comédiens hors du commun. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est Michel Bouquet. Ah, bah oui. Il était professeur. C'était mon prof. Et d'ailleurs, ils ressortent ces disques-là. En ce moment, ils ont enregistré nos cours, justement notre année où j'étais son élève. Oui. Et ça sort en disque en ce moment, mais j'ai pas les références, mais c'est absolument prodigieux à écouter. C'est les cours de Michel Bouquet à notre classe. Justement, il y avait Denis Podalydès, il y avait Eric Elmos Nino, il y avait une belle vous dans ma classe. La même génération. Ouais, la même classe, ouais. Oui. Anne Brochet, toute une bande comme ça. Oui. Patrick, Pinault. Et donc, Michel, en dehors du bonhomme qui est passionnant, il avait une qualité, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est que quand il pouvait regarder 15 fois une scène d'un élève, et toujours avec un sourire d'enfant. Ouais. C'est-à-dire, il était toujours émerveillé, comme si c'était la première fois qu'il voyait quelque chose. Oui, alors que les profs, en général, au bout de 3-4 fois, ils en ont un peu marre, quoi, de voir un élève qui annonce son texte. Et lui, non, il était toujours
content, très présent, et du coup il disait toujours des choses très intéressantes, mais toujours positives. C'est un comédien prodigieux. Ah oui, okay. Il joue encore en ce moment. Il joue en ce moment même. Peut-être Roberto. Exactement, le roi Sommer, non, je crois, c'est oui, ça. Oui, je crois. Il a quel âge? Non, c'est pas le roi Sommer, c'est, je sais plus ce que c'est. Il a quel âge maintenant? Je pense qu'il a 92, non? Quelque chose comme ça. Et donc ça prouve que le théâtre conserve. Ouais. J'ai joué aussi avec Michel Piccoli, le roi Lear. À l'Odéon, et je jouais Edgar et lui, le roi Lear, il avait 80 ans, et c'est des monstres d'acteurs, quoi. C'est des gens qui ont traversé comme ça tout le siècle, qui ont vu passer des grands metteurs en scène, des mauvais metteurs en scène, ils ont traversé ça comme des, ouais, comme tout des droit. Rochers. Ouais. Ouais. Tout droit, c'est quand même formidable. Ouais. Donc, ils ont, Michel Bouquet, 92 ans, Michel Piccoli... 90. Ouais. Oui, ça prouve que le théâtre conserve. Ouais. Donc enfin, ils sont plus si nombreux que ça. Donc vous avez de très longues années devant vous, et il y aura toujours des rôles, puisque à n'importe quel âge il y a des rôles. Michel Bouquet disait, il m'avait même dit, ce qui compte dans ce métier, c'est de durer. Parce qu'au début, on est plein à avoir 20 ans, des acteurs de 20 ans qui sont très doués. À 30 ans, il y en a un petit peu moins. À 40, il y en a un peu moins. À 50, il y en a moins. Et à 60, c'est la voie royale. On est tranquille. Alors, vous êtes aujourd'hui un comédien reconnu. Et le rôle de Stefan Zweig, que vous interprétez si brillamment, est un rôle, je présume, très lourd à porter. Vous vivez avec, alors. Avez-vous déjà eu l'occasion de jouer des comédies, par exemple, oui. en dehors de ça, est-ce que vous aimez, vous? Ouais, moi j'adore. Un comédien peut tout jouer, en fait. Moi, j'ai jamais joué des vraies franches comédies, mais quand même, j'ai joué des spectacles où les gens riaient beaucoup, donc oui. On peut appeler ça des comédies. Mais moi, j'ai toujours besoin qu'il y ait du sens, quand même, pour jouer quelque chose. C'est-à-dire, j'ai besoin qu'il y ait un sens. Alors, il y a des comédies qui ont du sens, et que oui. C'est les meilleures. Hein. Oui. Je pense à Marivaux. On rit pendant une heure et demie, puis on se rend compte qu'il s'est passé quand même des choses très fortes. Quoi. Ben oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai besoin, pour jouer quelque chose, de me sentir à ma place, c'est-à-dire de que ça ait un sens pour les gens qui l'écoutent, que ça puisse, qu'ils puissent sortir de la salle un peu différent de quand ils rentrent. Mais oui, mais c'est pas de la prétention, ça arrive rarement. Hein, non, mais attendez, c'est ce qui se passe actuellement au Théâtre des Mathurins, tous les jours à 19h. C'est du mardi au samedi. Du mardi au dimanche. Au dimanche. Le dimanche, c'est à 15h. Dimanche, c'est à 15h. C'est extraordinaire. Alors, on va revenir à Stefan Zweig, si vous le voulez bien. Son œuvre laisse apparaître un homme qui vivait heureux, dans une Vienne du début du XXe siècle, baignant dans une soif de vie, de connaissances, d'art et de plaisir, mais aussi touché par la souffrance des jeunes soldats tués lors de la Première Guerre mondiale. Il fait aussi un visionnaire, hein, il faut le dire, face à la montée des nationalismes en Europe, et d'aucuns disent que cette période préfigure celle que nous vivons aujourd'hui avec la montée des intégrismes et du radicalisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous arrivez, vous, quand vous êtes... Bien entendu, vous êtes dans le siècle, vous êtes dans la vie, vous écoutez un petit peu les infos, vous savez tout ce qui se passe, les événements, etc. Cet intégrisme, ce radicalisme, est-ce que vous, qui êtes rentré dans la peau de Stefan Zweig, vous sentez le danger, un danger... Oui, je ne vais pas parler à sa place, que je ne connais pas assez bien, mais à la mienne, ce qui est sûr, c'est que hier, par exemple, quand j'ai joué hier, il y a tout un passage où j'annonce que le parti d'extrême droite en Autriche prend le pouvoir. C'est pas sûr encore, on le saura à 5h. Non, mais à l'époque, c'était sûr, il est devenu maire de Vienne en 1904, je crois. Oui, c'est ça, à l'époque. Non, en 1890, maire de Vienne, un fasciste, Karl Luger, le beau Karl, il dit comment on l'appelait, qui a été vraiment le prémisse d'Hitler. Hitler lui a tout piqué, l'antisémitisme, il a pris toutes ses idées. Et ben, il a été nommé officiellement maire de Vienne pendant 12 ans jusqu'à la guerre de 14. Ouais. Donc évidemment hier, avec l'élection, je sais pas quand c'était, dimanche. Oui, mais c'était hier. Ouais, c'était hier. Et on attend les résultats et ils sont... Au coude à coude, comme dit. Et bon, il n'y a pas que l'Autriche, il y a la Hongrie, il y a la Pologne, il y a tous ces pays quand même, la Croatie, il y a 5-6 pays qui sont en train de faire un espèce de bloc quand même d'extrême droite, c'est-à-dire très dangereuse. C'est-à-dire qu'ils ont peur un peu de l'immigration islamique. Voilà, c'est en ça qu'on peut... C'est pas comparable peut-être avec l'époque, mais... je ne sais pas ce qu'on peut comparer, pas comparer. Je sais que les spectateurs voient des rapprochements... entre ce que je dis, ce que Zweig dit, et ce qu'ils vivent. Mais moi, je ne sais pas à quel point on peut les faire. C'est vrai que c'est aussi toute cette espèce de flux de population comme ça qui sont obligés de partir, qui sont obligés de partir parce qu'ils n'ont plus le droit de vivre chez eux, juste ils n'ont plus le droit d'exister. Oui. Bon, ça rappelle, hein, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons ou tout ça, mais enfin bon. Ouais, c'est...
Bien sûr, on peut faire... La place de l'artiste dans la société aussi, c'est-à-dire, il en parle beaucoup dans le spectacle. Est-ce que maintenant, un artiste peut vraiment exprimer des choses ou est-ce qu'il n'est pas obligé d'être dans la moquerie ou dans le, second degré ou, Dans la parodie. La parodie, Mais l'artiste aujourd'hui est quand même un citoyen, un homme dans la cité, qui vit dans la cité. Il a parfaitement le droit de s'exprimer, de donner son opinion. Oui, en France, oui. Oui, en France, oui. En France, je crois, oui. Bien sûr. Oui, bien heureusement, sûr. Oui. Est-ce qu'il doit le faire? Parce que vous avez aujourd'hui des grands comédiens, des gens qu'on connaît, etc., qui prennent parti, par exemple, pour les sans-papiers, pour l'immigration, pour, vous voyez, tout ça. Est-ce que c'est normal qu'ils le fassent? Et s'ils le font, est-ce qu'on peut le reprocher? Non, moi je pense que c'est normal qu'on s'exprime, qu'on soit comédien, musicien ou... on n'est pas obligé d'être un homme politique pour donner son avis. Moi je pense qu'il faut s'engager, au contraire, il faut, c'est important en ce moment de s'engager contre... si on croit quelque chose, s'il y a un moment ou jamais de le faire, c'est maintenant, j'ai l'impression, oui. Par contre, on n'est pas obligé de croire la personne qui dit ça, mais c'est important de s'engager, ouais, c'est important de parler, il se passe des tas de choses terribles en ce moment. Parce que les comédiens ont une voix qui porte en général. Y compris dans le monde, dans le citoyen. Mmh. Vous voyez, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais. De façon plus légère, Jérôme Kircher, vous êtes l'époux de cette merveilleuse comédienne qui est Irène Jacob. Oui, c'est une grande chance. Alors, mais c'est une comédienne extraordinaire. Ouais. Je crois qu'elle fait l'unanimité, dans le public tout au moins. Alors, comment se passe la vie d'un couple de comédiens reconnus, alors? Comment est-ce que ça se passe? Parce que vous avez vos textes, vous avez vos spectacles, elle a les siens. On a des enfants. Vous avez des enfants, en plus. Bon, ça, c'est un bonheur. Ça, ouais, c'est quand même le lien fort. Alors, on est une espèce de petite PME, en fait. Ça veut dire on est obligé d'être très entouré. On a heureusement quelqu'un qui peut s'occuper des enfants si on est tous les deux occupés. Si on essaie que chacun... Il y en ait toujours un à Paris, quand même. Si c'est s'il y a une tournée à l'extérieur ou quoi. L'autre, il s'arrange pour rester à Paris. On est obligé de garder la maison, quoi. Donc, on est bien organisé. Puis, on aime se retrouver aussi. On fait une chose ensemble régulièrement. Tous les ans ou tous les deux ans, on fait soit des lectures, soit un spectacle. Ah, c'est ça. Ouais, on avait fait un spectacle de Romain Gary, Gros Câlin, qu'on avait joué au Théâtre de l'Atelier. Oui. On essaie de se retrouver sur des films avec Jonathan Mociter. On a fait un film... En fait, c'est à la fois vivre des choses seules et vivre des choses ensemble. Parce que si on faisait tout ensemble, peut-être ce serait trop. Oui, peut-être. Pourquoi mais pas Irène, elle chante beaucoup aussi. Elle chante avec son frère Francis Jacob, qui est un extraordinaire musicien new-yorkais. Elle chante en public. Elle a joué au New Morning, là, il n'y a pas longtemps. Oui, New Morning. Elle a joué dans plusieurs endroits, mais surtout, elle fait le disque. Le problème, ils ont du mal à chanter en public, parce qu'il y en a un qui habite à New York et l'autre à Paris, donc c'est pas facile. Mais son disque est sorti, elle a sorti un disque, là. Ah bon, il s'appelle comment, ce disque? Parlons-en, un petit peu. C'est un disque... Des chansons, des compositions à elle? Des compositions de lui, de Francis Jacob. De son frère. Ouais. Oui. Malheureusement, je n'ai pas pris le disque, je vous l'apporterai la prochaine fois. Mais oui. Il y a des musiciens extraordinaires de New York. Ouais. Ouais, sans aucun doute. Il faut nous donner les références, qu'on puisse éventuellement le passer à la radio. Je vous l'apporterai. Alors, vous travaillez ensemble par moment, oui. Alors, comment ça se passe par vous avez pendant que vous travaillez votre texte de Stefan Zweig? Bon, elle était là, vous étiez là à côté de l'autre. Est-ce qu'elle vous reprend, elle vous soutient? Comment ça se passe? Et vice-versa, bien entendu, dans les deux sens. Elle n'était pas là parce qu'elle était au Pays de Galles pour tourner une série américaine. Oui. Mais elle était là de temps en temps, donc on se soutient beaucoup. Mais j'aime pas, c'est pas elle qui me fait travailler mon texte et je ne lui fais pas travailler son texte. D'accord. Parce que sinon, on ne ferait que ça. Non. Ah non, bah, non. C'est évident, il y a quand même d'autres choses à faire. Elle est venue voir le spectacle six fois, je crois déjà. Quand elle joue, j'y vais aussi six fois. Alors, comment elle vous trouve sur la scène, alors? Comment elle trouve son mari? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle m'aime pas du tout, elle me trouve moche, pas talentueux. Vous n'exagérez pas un peu? Non, je crois qu'elle aime bien. Mais en fait, ça devient un jeu aussi de nous surprendre. Comme avec ses vieux amis aussi, avec Patrick, Eric, tout ça, c'est un jeu aussi de la surprendre. C'est-à-dire, de pièce en pièce ou de film en film, c'est un peu un challenge parce que comme c'est des gens qui te connaissent, je sais que vous jouez de la musique aussi, donc vous devez savoir ce que ça veut dire surprendre. Enfin, c'est-à-dire, à ta coup, apporter un petit truc qui. Et c'est vrai que c'est un plaisir de se surprendre mutuellement. J'aime bien lui apporter la surprise. Elle vient en général quand même 2-3 jours avant la première pour voir. Ah, quand même, pour la répétition. Pour regarder. Elle vous donne son avis. Toujours très important. Et vice-versa aussi. Je crois, oui. Alors dites-moi,
Jérôme Kircher, vous avez deux enfants. Est-ce qu'ils sont attirés par une carrière de comédien? Parce que papa comédien, maman comédienne. Écoutez, ils sont nourris au lait du théâtre. J'ai quatre enfants. Ouais, oui, vous en avez tous. Donc c'est plus grand, mais il y en a un, il fait l'école polytechnique de Lausanne. Donc lui, bon, je pense qu'il ne fera pas de... L'autre, elle fait de la gravure à l'école royale Lacambre, à Bruxelles. Oui. Donc je pense que non. Mais dans les deux petits... dans les deux petits, parce que votre première épouse n'était pas comédienne. Elle était historienne. Ouais. Elle était historienne, bon, effectivement. Spécialiste à la Sorbonne, à l'école pratique d'études, sur l'idée de la tolérance religieuse. C'est drôle, elle travaille sur l'idée de tolérance religieuse 19e, 20e. En fait. Oh là là, elle est en plein dedans. Il y a beaucoup à dire et y a vraiment plein dedans. Alors, Jérôme Kircher, vous donnez ce spectacle au Théâtre des Mathurins à Paris. On a dit tout à l'heure, chaque jour, du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 15h. Alors, jusqu'à quand exactement vous... Ça va durer, là je pense que je vais aller jusqu'au 2 juillet. Oui. On prolonge d'un mois parce que ça marche bien. On l'a dit tout à l'heure, c'est très bien. Et vous pensez le reprendre au mois de septembre? Voilà, le 16 septembre, on risque de reprendre pour 3 mois de nouveau. Ouais, j'espère, on va voir. Normalement, c'est ce qui est prévu, ouais. Ça dure 1h05. 1h05, ouais. Mais 1h05 d'une intensité extraordinaire. Et quand vous sortez, quand vous avez fini la pièce, là, vous allez dans les coulisses, là, dans votre loge, là, épuisé. J'ai envie de boire un verre de vin rouge. Ah! Tous les soirs, quand je sors, la première chose à laquelle je pense, c'est boire un verre de vin rouge. Vous choisissez un bon vin. Ah ouais, je choisis un bon, je vais dans le bistrot en face, je bois mon verre, je mange un petit truc, et là, je m'apaise doucement, en fait. Il y a un petit temps, hein, il y a une heure ou deux pour que ça redescende. Oui, 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 absolument. Là, je ne bois pas pendant une heure ou deux. Non, ça c'est sûr. Jérôme Kircher, alors je recommande vivement, mais vivement à nos auditeurs, de courir au Théâtre des Mathurins jusqu'au 2 juillet, voir ce magnifique spectacle avec Jérôme Kircher. Vous en ressortirez transformé, je peux vous l'assurer, c'est ce qui m'est arrivé. Jérôme Kircher, je vous remercie. Merci Jacques, merci infiniment. Et je vous dis... Hein? Oui, comme on dit, ouais. Mais merde, quoi. Hein, c'est voilà, ça. Je vous dis merde et vous dites pas merci. Voilà. Non, jamais. Merci, merci. Pour l'accueil, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. Au revoir Jérôme. Vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur Monde FM, en votre compagnie Jacques Benhamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Jérôme Kircher, qui est comédien et qui interprète au Théâtre des Mathurins ce merveilleux spectacle, le monde d'hier de Stéphane Zweig. Courez, courez, allez vite le voir. Au revoir.